Voilà, on se fait une petite dernière rediff, faut que deux. Tiens, bah, en pensant ça. Alors, c'est compétences du pilote. Ok. Donc, ouais, il faut améliorer le pilote, le vaisseau, etc. Donc, le fait que j'ai à monter mon vaisseau, mon pilote, ça a monté de niveau. Voilà, pour améliorer petit à petit les trucs. Hein. Du coup, je peux mettre des nouveaux actifs. Ah putain, alors le mec qui vient de capter, évidemment. Ok. Attends, on va améliorer tout ça. Ah, un incendie. Change tout. Fabrique de mode, fusion mode, vas-y, hop. Du coup, il me faut un truc que j'ai pas encore. J'ai autre truc. Dans des pilotes. Exprès pour ça. Ok. Ah bah oui, sur la lettre. Ah mais du coup, il est jouable. Mais j'ai vu une autre tête que j'ai pas eu affichée. Qui est jouable tout, ça se trouve. T'as d'autres vaisseaux à voir. Données tactiques, ouais, enfin CF, ouais, bref. Va là-bas. Ouais, hop. En tout cas, le jeu il est cool, il est cool. Amplificateur de réalité. Ok. Du coup, on peut fusionner les modes pour avoir de meilleurs modes. Ok, c'est cool. Et ça monte ici. Lancement du tir orbital. Inox, ton signal, feu. Oh, pour l'ennemi, c'est vrai que c'est plutôt agréable ce que je fais. Mais c'est pour le dire, bon, bah, juste en entend. Ouais, je vais arriver moi quand le micromania, je fais bon, je vais acheter des armes qui font un type d'éléments, pas le choix. Je suis obligé d'affronter les personnages aussi par avancer dans le jeu, j'ai pas le choix. Je fais bon bah. Ah, je crois que mon 13ème mois il va passer sur beaucoup de vaisseaux. Bah, tant qu'il n'y a pas de booster, de Final Fantasy qui sont micromania, ils sont les tous achetés presque. Je regarde. Je vais commencer à acheter des boosters via Amazon, après t'es un verre qui va voir. Pourquoi tous ces boosters que t'achètes? Faut que j'essaie autre chose.
Ces énigmes des gardiens sont complexes. Est-ce que tu as d'autres armes à essayer? Oh, qui aurait cru qu'il y a des énigmes dans ce jeu? Attends. Ok, je viens de comprendre. Non. Celle-là. Je mets celle-là. Du coup, ça, tu dégages là. Celui-là. Là. Là. Ah, mais je suis baisé. Oh putain. Allez, bouge. Normalement, je vais être bon. Ah bah oui, mais du coup, tu vas pas au centre. Toi, hein. Allez, je suis con. Ouais, donc t'as des énigmes. Fascinant. Cette flèche plonge au plus profond du noyau liquide de la planète. On dirait une sorte d'entrée servant à empêcher la rotation de Kirit. Merde, putain, faut que je m'habitue. Bah on a fait la flèche. Il y a un nid ici. Vas-y, on va tester ça. Tiens, pourquoi pas aussi. Ah, par contre, j'ai eu une énergie à je sais pas quoi à la con. Du coup, je peux me mettre. Une amélioration. Révèle l'emplacement de toutes les mines rivées vers l'électromatras. Ok. Ça veut dire que. Ah ah! Intéressant. Cool. De Nova corrompu considéré comme une ressource précieuse. Récompense dans un avant-poste. Récompense dans un avant-poste. Poste, il est juste à côté. Ah, c'est trop chaud pour le vaisseau. Ouais, écoutez, j'ai du boulot, on peut faire pour vous. Ouais, un cadeau, ouais. Bien sûr que j'accepte. Merci. Attends, du coup, j'ai des modes d'amplificateur de feu, ça veut dire que... Amplificateur XP... Qui m'attaque? Genre quand le condensateur c'est un truc qui est censé... Qui... entre guillemets absorbe de l'énergie. Et quand ça... quand c'est plus alimenté, bah continue encore légèrement à alimenter l'énergie pendant un certain temps. C'est pas une batterie. C'est pas une batterie. On va dire que c'est bien pour en cas de coupure électrique soudain. Repère dehors la loi. Je t'envoie les coordonnées. Si je dis pas de bêtises, en cas de coupure électrique, wow, c'est pas passé loin. C'était soudain. Merci beaucoup. Ça continue à alimenter le bordel pendant un petit temps. C'est une micro coupure quoi. Ça évite des bugs. Et ça fait autre chose aussi. Ça permet de varier une sorte de puissance active. Non mais ils vont me chercher vraiment des minerais pour moi, c'est cool ça.
putain, oui, c'est vrai, je dois faire un nid. Oula, 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 j'ai pas vu, j'avais pas vu, j'avais pas vu. Ah, ça. Alors, on va vraiment garder cette combinaison. Alors, on va enlever par exemple certains sous-fatos. Enfin, une mitrailleuse. Là, je suis pas déçu d'avoir pris le jeu là. Niveau 8, c'est un peu trop dangereux. Il y a un filon ici, on peut. Pour une cargaison d'électrum, nos amis prospecteurs n'ont pas chômé, on dirait. Ah, pas rien, c'est possible. Ok, c'est cool ça. C'est là-bas. Ouais, mais attends, à un moment donné, c'est quand t'as muré à fond l'Equinox. Je t'ai plus rien amélioré à un moment donné, non? Globe d'Eltra. C'est cool ces petites récup. Ah, et puis d'Electrum aussi. Je crois qu'on va rester un moment sur cette map là, c'est bien. Si il y a des ennemis quelque part dans le coin qui risquent de me faire mal. Du coup je repasse quand je veux et je récupère encore des ressources, non? Bah vas-y, on va se faire cette base. Ah du coup là, l'histoire n'avance pas du tout, mais on n'a pas le choix. L'autre boss il me déglinguait la gueule. Fait gaffe, mais pas envie d'MP, 8 jobs, non, ouais. Putain. Oh, cool, tu t'affiches dans une base à carrément l'intérieur. Ensuite, trouver les modes, tout le bordel, tout le triala. Ah, un coffre. Un truc spécial. C'est des modes. Ah, de toute façon, comme quoi, tant qu'on n'a pas le petit truc bleu, je sais plus comment ça s'appelle. Je pense que c'est de la Nova. Autre chose.
retenu c'était quoi, enfin, bref. On peut pas vraiment trop avancer et admirer le vaisseau non plus. Alors donc il y a un symbole de porte qui... Indicateur d'XP, cool. Oula. J'ai pris un symbole pour rien. Ok, c'était une cage d'ennemis. C'était marrant. Ok, cool. Les ennemis ici, ok. Oui, ça c'est du sacré boulot. Coffre ici. Oh attends, vous allez me faire chier à me faire voler. Je peux sauter comme ça, ce sera plus simple. Hop. Alors, est-ce qu'on a un truc ici? Ça se trouve, c'est à l'intérieur. Bon, tant pis. Est-ce qu'on a un truc? Non, ça doit être à l'intérieur. Tu vois, si No Man's Sky avait plus de trucs vivants comme ça et tout, ça aurait été plus cool, je pense. Donc là, la base est à nous. Ok. J'ai une bouteille de coca qui traînait. Ah, voilà. Là, je vais tilter 57 degrés la planète quand même. Non, c'est un désert. Cette base est à nous. Alors, qu'avons-nous à l'intérieur? Donc, le coffre était bien à l'intérieur, ok. En attirant les foules, série de crimes, les autorités ont commencé à expédier les malfrats sur Achar. Passer quelques secondes sur cette planète, c'est déjà cher payé. Coffre ennemi, je suppose, ici. Ouais. Et attends, on se prépare. Bon, on a visité la globalité de la zone, quoi. Après, c'est des petits trucs à casser par-ci, par-là. Des cellules de radium à récupérer. Ok. Est-ce qu'on a une raffinerie? Ah oui, on a celle-là. On va d'abord faire peut-être l'épave qui est juste là. Ah oui, l'histoire du coup, on l'avance pas du tout. Parce qu'on est en train de faire notre vie sur ce cette planète, j'allais dire sur le vaisseau. Oula, attends. Je suis attaqué à l'aide! Qui veut de l'aide. Oh, regardez qui voilà. Allons-y.
En tout cas, c'est bon. Je sais pas si c'est moi depuis que j'ai envoyagé dans l'espace, mais il doit y avoir la loi ici. Ces capsules éjectables ne sont vraiment pas discrètes. J'ai pu suivre leur déplacement jusqu'à leur base d'opération. Un grand merci. Sans votre aide, je me serais retrouvé à engraisser la faune. Merci pour tout. Je peux retourner à mes recherches. Donc les pauvres. Des bonbons. En tout cas, il y a un coffre ennemi ici. Allez, on se prépare à accueillir encore des gobelins. Ok, ça. Oh, en fait, dès qu'on a visité tous les coffres et tout qu'il y avait dans les pubs, c'est bon quoi. Oh putain, j'ai trouvé tout à chaque fois moi. Épave, ah, sur cette putain, il y a 16 épaves. Mais attends, ça veut dire que j'ai pas fini de fouiller tout le gisement? Ça veut dire que j'ai des gisements à l'infini. En fait, c'est vraiment une zone de récup, c'est vrai. Ok, why not. Ouais, quand c'est rouge, c'est vraiment quand c'est trop élevé au niveau. Putain, je suis perturbé parce que d'un coup, ça change. Ah putain, alors bon, tu fais toujours la même chose en globalité, mais je sais pas, je trouve pas l'ensemble du jeu. J'ai un plein raffinerie. Merde, j'aurais dû prendre un petit noyau, c'est pas grave. Salut, qu'est-ce qu'il vous faut? C'est pas encore suffisamment chargé. Repartez siphonner la Légion. Ouais. J'étais pas à côté. Ah si. On va aller voir vite fait lui aussi pour prendre mes petites fleurs. Par contre, du coup, l'Equinox, code cardien, ok. 30 000, il en faut 3, putain. En fait, les Trium, j'ai l'impression qu'on en aime trop facilement en fait. Pour ce qu'on dépense. Bordel, mais... Déjagement de données à la mission. Nous sommes en train d'installer des balises pour étendre notre champ de vision. Mais mon équipe est débordée.
Pouvez-vous m'en déposer une? Je peux le faire. Parfait. J'ai indiqué quelle balise doit être livrée. Pourquoi pas? Récupérez-la et nous lui trouverons une place. C'est bon. Donc ouais, donc faut que je livre souvent la même raffinerie alors. Aussi. Aïe. Ah, finalement, je me disais que c'était peut-être la dernière et tout, live, mais... Peut-être jouer un peu plus longtemps, je me lasse pas de ce jeu, même si c'est un peu calme et tout. Vous avez vu l'heure qu'il est, voilà. Par contre, je le ressens toujours pas, enfin si, mode très difficile, quand je rencontre des ennemis plus haut niveau que moi, mais après c'est normal. Je me fais baiser. Mais on va dire qu'en mode facile, tu peux rusher le jeu, quoi. Alors le nid, je suis déjà en mission, donc t'attendras. Aïe! Ah, faut faire gaffe en fait! Putain! Merde! Mon vaisseau m'a baisé. En tout cas, c'est cool parce que quand même depuis que quelques temps que j'ai mis le câble Ethernet, le stream ne me dit plus. Par contre, ils m'emmènent dans des endroits dangereux là. Attends, tu veux dire que j'ai visité une bonne partie de la map? Ouais, quand même, si. Ouais. Cet endroit semble idéal pour déployer la tour. Sans vouloir vous expliquer comment faire votre travail. Système actif. Champ de vision accru. Bon travail. Consultez votre carte pour voir ce qui est apparu. N'hésitez pas à déployer d'autres tours si vous en trouvez. Fais attention à toi. Concentre sur ça, moi. Oh bâtard. Je me disais que les récup c'était trop facile et... Oula. Information contenue dans cette banque de données très recherchée par l'expédition. Ouais, j'en fais quoi de ça? Ouais, tu me dis rien, peut-être quand même. Bon, ouais, quand tu me diras banque de données, tu vas à la base. Ouais, niveau 3, niveau. Ah, ça veut pas forcément dire que ça va être dur. Oh, attends, hop, on retourne là-bas. Dans cette banque de données très recherchée par l'expédition. Merde, merde, attends, je me suis perdu. Mon point est là. J'espère que ce truc va l'intéresser. Parce que sinon, bah... Merde. Là, dans une planète, le décor reste pas constamment la même. Toujours petit changement par-ci par-là. T'imagines dans la Terre des astéroïdes comme ça qui se baladent. Déjà que t'en as une qui se pointe pas mal. Aïe. Putain, un truc qui court dans mes pattes. Aïe aïe aïe, putain, j'imagine même pas en hyperespace si tu croises un astéroïde. Aïe. Oh, yes.
60%. Putain, tu aimes bien, j'ai visité 70% de la planète. C'est ce genre de lieu que j'ai visité. Ouais. Bref. Bon, pas la tête. J'ai un coup. Aïe. Redresse-toi. En tout cas, ce jeu, je kiffe. Ça joue avec... Oh là, on s'est attaqué là. Voilà. Tiens, pour parler. Est-ce que tu prends? Oui, tu prends, putain. 10 000 ans. Ah ouais. Tu level up? Génial ça! Unité gagnée. Peut-être que je dépense les points Ubisoft. C'est Ubisoft de toute façon. Oui, je crois que c'est Ubisoft le jeu. Oh, je sais plus. Vu que c'est le retard de la pâquerette. Oh, ça me tourne ici, ça me tourne pas. Quand même, ça le fasse quand même. Vache. Cette journée s'annonce plutôt excitante. Ah, j'ai repéré un Drake de la Légion qui a traversé notre zone de scanographie à toute allure avant de s'écraser. C'est l'occasion d'aller extraire des renseignements. J'allais dire, ouais, fin de faire la mission, mais je vais te voir un truc qui m'intéresse. Putain, ça en fait son émission qu'on récupère les trucs là. De la Légion identifiée. Initiez la procédure de piratage. Attention, procédure fortement susceptible d'attirer des renforts de la T'inquiète. La Légion, les encres. Renforts de la Légion en approche. Ah, mais attends, c'est les bestioles qui se pointent à côté. Et hop, on se fout un petit choc éternel dans ta gueule. Tu veux gagner de l'XP? Tu fais ça constamment, hop, 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 je sais pas combien c'est où par rapport à l'ennemi. Le multiplicateur est bloqué. De la Légion arrivée. Bon, par contre, on va arrêter de faire le con parce que. Piratage réussi. Données de la Légion traitées. Bravo. Selon mes scanographies, vous avez réussi à vous relier au réseau. Ils ne peuvent plus se cacher. On est là pour s'entraider. Ils ne peuvent plus se cacher, c'est cool ça. Des feux squelettes, ça dérange pas. Alors, par contre, ça aurait été bien qu'il m'affiche le truc pour que sur le fruit. Attends, vas-y, c'était encore des missions. J'ai tellement vu le truc arriver dans la gueule. Parler déjà, je te dis les objets que j'ai récupérés. Ok, de toute façon, le truc il a fond donc plus d'intérêt à lui donner les fruits.
qu'il y a tant à analyser sur cette planète. J'ai marqué un lieu idéal pour une nouvelle balise. Vous pouvez m'aider ? Ah, mais... Ouais. Non, pas envie. Je vais voir mon pote le minier, s'il va mieux. De toute façon, je crois que j'ai des trucs à lui ramener. Putain, faut j'arrête de faire le con. Je viens de le dire, arrête de faire le con et je le refais le con. Alors, c'est moi ou dès que j'arrive dans cette zone, il fait vraiment nuit. C'est vraiment par hasard. Ouais, bienvenue, me faites pas perdre mon temps. Je tourne à un quart de mon rendement depuis que mon diffuseur d'hélium m'a claqué entre les doigts. Vous pouvez m'en trouver ouais. Un œuf. Il est en transparence, donc on l'avait fait. Ok. On va faire ça. Niveau 9, ouais, c'est pas grave, vas-y. On les dégomme tous. Je vais y aller, je vais me faire dégommer, putain. Ah mais du coup les ressources, trop facile mon truc. Décryptage des données en cours. Vais-je me faire allumer? Il oublie toi. Ah ça va, c'est légèrement fort. Plus fort que toi. Ah, je commence à avoir des fourmis dans les jambes. Hop, du coup, on va s'allonger comme ça. Oh, ça brûle. Oula, par contre, déconner. Je crois que ceux-là, je les avais pas encore croisés et qu'ils sont. Hein, je suis bien plus fort. Parce que je crois que c'est la meilleure solution. Niveau de l'arme augmenté. Niveau de l'arme augmenté. Oh putain, je suis monté à niveau 4. Autorisé. Facile. Quand je n'étais encore qu'un petit buisson, mes parents m'ont emmené au théâtre dans une des plus grandes villes sur Kirit. J'y suis retourné il n'y a pas longtemps, mais j'ai retrouvé aucune trace du bâtiment. La Légion a tout rasé. Justificateur de stabilité. Stop dissipation. Cool aussi. On se fait quoi? Allez, vas-y. On s'est bien fait un truc niveau 9. Ah, pièce de forage, ça je prends. Alors, c'est un peu tout ce qu'il y a ici. Hein. Parce qu'il faut que j'en récupère des minerais, des pièces. De forage, le radium. Tiens, c'est le radium. On va en parler. Considérés comme précieux par les prospecteurs. Okay.
Je vais déposer ça tout de suite. Et à peine je l'ai ramassé, je me suis fait attaquer donc. Vous avez trouvé quelque chose? Apportez ça ici, on va voir ce que ça vaut. Ça vaut de la thune. Ouais? Écoutez, j'ai du boulot. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah vas-y, prends. Hey, on dirait une pièce de l'ancien temps. Jolie trouvaille, dites-moi. Merci. C'est un peu de mal à level up sa base. Donc on disait ça à attaquer. C'est une épave. Putain, y a vraiment quoi faire sur une planète, hein, et tu t'en lasses pas, t'as toujours un truc à faire. Trop de chaleur. +1500 degrés. Ouh. D'accord, ok, c'était vraiment une zone où il faisait 1500 degrés. Ok, bonne note. Orage. Donc une épave, donc on va se faire attaquer. Connexion établie. Piratage des données de la Légion. Attends, je pense. Compétence. Voilà. Modifier. Peut-être temps de modifier un peu le vaisseau. Ah, je peux prendre un truc en plus. Boost de dissipation. Résistance élémentaire. Plus d'expérience, non. Pilote. Pourquoi pas? Mais par contre, ça c'est carrément mieux. Barre de chiffres. Je vais pas m'en équiper de ça. Arme de feu uniquement. Ah bah oui, parce que c'est arme de feu uniquement. Quelconque je suis. Mission puissante. Vas-y. Et du coup. Ça c'est cool. Purificateur d'efficacité. Écoutez. Voilà, vous êtes rapporté. Du coup, mes mods ils se fusionnent tout seuls. Equinox opération. Ah, après, faut forcément que je se pilote. Donc en gros, bon, c'est au fil de l'histoire. C'est... D'accord, il me compte tous mes pilotes, les quatre principaux en tout cas rassemblés. Ce que je comprends, peut-être que je comprends pas.
Ça, il faut que je sois niveau 6. PC stockage. Ah, ça, ça pourrait être bien, ça. Ah, ça, faut que je déverrouille des flèches. Pourquoi pas. Donc, en priorité, dans les personnages que je dois acheter, il y a celui-là. Ah putain. Ok. 4 précises. Bah, de toute façon, ouais, on va prendre ça. Ah putain. Des fois, t'as pas le choix de prendre certains persos. Merde, oui. Niveau 7, c'est bon, on a vu le pire tout à l'heure. En approche. Non, c'est mec, allez, force de la légion en approche, c'est pas comme si c'était déjà devant toi. Attends, y'a un truc que je voudrais checker. Je vais me taper un délire. Est-ce que par le plus grand des hasards? Ah, parce qu'en plus, j'ai enlevé les ailes du vaisseau, je sais même plus où se met droit. Est-ce que... Ah, alors... Ok. Est-ce que par hasard... Non, c'est génial parce que ça veut dire que je peux faire ça, sérieux? Alors attends, je vais regarder un truc. Ouais, bon, on va arrêter de faire le con. Attends, parce que du coup, je vais remettre mon... J'ai inversé le sens des armes. Alors, je sais pas s'il y a une importance de mettre les ailes d'un côté ou l'autre. Mais voilà. Piratage réussi. Données de la Légion traitées. Sinon, je suis en mode très difficile. Pour rappel. Vas-y, j'ai une base à côté ici. Enfin, je retourne en raffinerie. Bleu.
cristaux de glace qu'on faudra peut-être éteindre avec le feu. Faut que j'essaie autre chose. Bon, ouais, une connerie. Ok, qui a parlé. Ok, on va aller bien en mode. Pas mal de prospecteurs ont fait fortune sur Kirit, mais encore plus ont fini fauchés, en fréquentant les casinos surtout. Il va falloir chercher très vite les autres armes parce que ce sera un peu con. Trouver une cache comme j'ai croisé dans l'espace, je vais pas pouvoir le ramasser. Quel mode à chaque fois. Unité gagnée. Compétence. Je vais mettre 5. Je suis pas en mémoire. Rappel, échantillon de Nova corrompu. Précieuse. Récompense dans un avant-poste. De toute façon, j'ai plein de radium. Tous les forages et toutes les conneries. À lui ramener. Non mais... Hein ? Écoutez, j'ai du boulot. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Donne-moi un mode de glace. Un cadeau ? Bien sûr que j'accepte. Merci. Alors, ton niveau, il a du mal à monter, toi. Si vous voulez m'aider, je cracherai pas sur un nouveau diffuseur d'hélium. Vous trouverez bien ça dans les ruines près d'ici. Mais ce n'est pas grave. On va se trouver autre chose à faire. Ça a été fait, ça. Un putain de doute. Parce que oui. Oui, ça a été fait l'autre en fait. Vas-y, est-ce qu'il m'intéresse là-bas? Ouais, on change de redif entre temps et on continue.